On se retrouve au bord de cette gravillère en plein sud de la France pour un nouvel épisode de Attrape-moi une carpe si tu peux. Cet épisode va être un petit peu différent du premier, parce qu'au lieu de challenger un pêcheur, je vais en challenger deux. Le premier pêcheur, c'est Jocelyn Dupré. Il s'en est très bien sorti au premier épisode, on va voir ce que ça donne dans cette nouvelle édition. Le deuxième pêcheur, il vient d'un peu plus loin. J'ai nommé Alan Blair. Ça fait plusieurs mois qu'ils avaient prévu de pêcher ensemble. J'en ai profité pour leur lancer un défi. J'ai appelé Jocelyn et j'ai appelé Alan et on a fait tourner les roues en direct. La première roue s'est tombée sur l'Occitanie. Pourquoi? Parce que j'avais limité à trois régions dans le sud de la France. On est au mois de novembre, les températures sont un peu plus clémentes dans le sud de la France. La deuxième roue s'est tombée sur Gravillère. Au résultat, ils étaient excités à l'idée de venir pêcher une gravillère dans cette région qu'ils n'ont pas l'habitude de pêcher. Ok, that's not so bad. Like, a gravel pit's always good. Clear water, weedy, big carp. Jocelyn, je l'ai retrouvé tout à l'heure. On s'est installé, prêt pour la nuit. Alan, lui, doit nous rejoindre demain. On fera un point demain, 24 heures de pêche, pour voir les premiers résultats. C'est parti. Ça y est, le défi est lancé pour Jocelyn. Bon, le type d'eau gravillère, c'est un type d'eau que Jocelyn a l'habitude de pêcher. Cette gravillère, il ne l'a jamais pêchée, c'est pourquoi il va passer une bonne partie de l'après-midi à repérer les spots et essayer de trouver quelque chose d'intéressant où il pourra placer ses lignes avec précision. Toujours dans l'espoir de capturer son premier poisson sur cette gravillère pour remporter ce défi. On se retrouve sur ce plan d'eau. Bon, on l'a vu, Thierry a fait tourner une première roue, l'Occitanie. Bon, c'est une grande région, hein, l'Occitanie. C'est pas mal de départements, donc ça nous offrait quand même pas mal de choix, pas mal de possibilités. Et gravière, c'est plutôt pas mal, parce que malgré les gravières, souvent il y a un peu de profondeur, donc c'est un peu plus stable en termes de température. Enfin. Donc je trouve qu'on tombe plutôt pas mal, c'est cool, c'est assez excitant de se dire qu'on va pouvoir tenter notre aventure là sur des gravières. Et voilà, je suis arrivé hier soir, j'ai pu observer un peu le plan d'eau. Il se trouve qu'il y a deux pêcheurs de l'autre côté, donc je sais pas s'ils ont fait du poisson, j'ai pas été les voir, j'ai préféré vraiment passer tout mon temps à observer l'eau. Et c'est ce que j'ai fait, donc pendant 1h, 1h30, j'ai observé le coin là et j'ai vu qu'il y avait un poisson qui s'était manifesté. Donc c'est assez intéressant, ça m'a vraiment encouragé à rester ici parce que dans les différentes options que j'avais, j'ai passé un coup de fil à un ami, Fred, il m'a filé plusieurs options et j'hésitais en fait, très honnêtement, entre m'installer ici et un autre plan d'eau.
C'est vrai que le temps était limité pour moi, donc quand j'ai vu ce poisson, j'ai vu ça comme vraiment un signe hyper encourageant et je me suis, j'ai acté le fait de pêcher ici. Je suis à la fois en découverte, en phase de découverte, parce que je connais pas, et puis en même temps assez excité à l'idée de me dire que je peux faire un poisson dans une eau que je connais finalement pas. Et puis on va voir un petit peu comment les heures qui viennent se déroulent. Un premier poisson, c'est super encourageant. C'est une jolie commune capturée sur un des hauts fonds là dans 5 mètres. Bon bah c'est cool, c'est super encourageant. Premier poisson capturé, le défi commence à prendre tournure. Premier poisson de la session, une jolie commune qui prend bien la lumière d'ailleurs, capturée sur ce haut fond là de 5 mètres sur un fond mou, alors que c'est vrai qu'il y a une majorité de fond dur. C'est ce que j'ai recherché en priorité. Avec la cam, j'ai pu voir aussi qu'il y avait quelques traces de groin de poisson dans le fond, donc c'est vrai que c'est ce qui m'a encouragé à poser la canne. Capturé sur une culture aide, un scopex coude avec 3-4 poignées de billes autour. Bien étalé, et puis un stick. Et voilà, premier poisson de la session. Je suis ravi et j'espère recapturer un ou plusieurs poissons. Et puis avec un peu de chance, un petit peu plus lourd. Get it out of my system now. I've been so looking forward to this trip. Probably something like 3 years since Jocelyn and I properly fished together an episode of Destination H2O. So the build up and the anticipation to this, the loading of the van, getting everything ready, getting a good night's sleep last night, and had massive issues with the van, it broke down. I then got stuck in a load of traffic around Leon. But all of that is behind me because I'm now 2 hours away from hooking up with Jocelyn and Thierry down in the deep south of France. And yeah, I just can't wait to spend 4 nights, 5 days together fishing. There is one further spanner that's been thrown into the works, and that was up until just a couple of days ago, I thought we were going to the Alps. But oh no, now we've got to play the catch me a carp if you can game, which to be fair, I'm sure will be really exciting and I'm very much looking forward to it. So without further ado, the sun's dropping, 2 hours more driving. It's fishing time! Alley, alley, alley! Bon Jocelyn. Ouais. Ça va? Ça va très bien. Voilà. 24 heures écoulées? 24 heures déjà écoulées, ça passe très vite. Bah ça se passe que ça va très vite, regarde il est 5h40 et il fait déjà quasi nuit. On a changé d'horaire sur cette période de début novembre et ça va très très vite, j'ai repositionné mes cannes tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il faut pas chômer, hein. Non. Et le temps d'ensoleillement il est très réduit. Il y a quand même eu un peu d'action.
un petit peu d'action, une jolie commune qui m'a rendu visite. C'est quand même assez calme en fait, ouais, tu vois. C'est calme. Ouais. Bah, les poissons sautent pas beaucoup. Hein. T'as pas vu beaucoup de sauts. Non. Toi hier quand t'es arrivé, mais là aujourd'hui peut-être un ou deux sauts, mais pas beaucoup plus. Deux ce matin, ouais. Très tôt, levé du soleil et depuis rien. Ouais. Donc morne pleine depuis. Donc bah voilà, j'espère que les heures qui vont venir là sur ce début de nuit vont payer quoi. Ah, ça serait bien. Bon et Alan, il devait pas arriver là. Il devait venir, il devait arriver, mais il a eu une panne. Ouais, il a eu un petit souci de voiture. Hein. Il a eu un petit souci de voiture, il a une panne, il était au garage, donc on s'est tenu en contact par téléphone. Bon, là, il a repris la route, c'est la bonne nouvelle. C'est bon signe. Et puis, il devrait être là, normalement, dans la soirée. Ok. Bon, bah, on va se poser un peu pour la soirée, on va l'attendre. Ouais, on va l'attendre. Et puis, surtout, j'espère que ça va dérouler et qu'on va pouvoir remettre un beau poisson à l'épuisette. Yeah. Finally! Tired? I've missed you. Bonjour. Bonjour. How are you? Good. Yeah? Yes, hey, Terry. Good to see you, bro. Yeah, good to see you. Yeah. Tired? No, not too bad. Not too bad. Crazy day, mate. Yeah. Crazy day. Yeah. So the point is this one. Sleep to be fair. Sat with Jocelyn and Thierry in Barnes Hill. I don't know, 11, half 11, something like that. Started getting the rods ready, a couple of scopes out, pod set up, and I just weren't really that content. I kind of wanted to see the venue in daylight, so in the end, decided not to put any rods out. Literally put the bed chair at the end of a almost cliff, which gave me a really good vantage point to look across the lake. And I did hear a couple of shows and I did see a few more shows this morning, but nothing that really made me want to stay there. So basically went for a big walk, done pretty much two laps of the lake and spent the bulk of the time up this end of the lake. There's almost a sort of sunken forest. I mean, it's not sunken to be fair, a lot of it is exposed and there seems to be quite a lot of fish congregated in and around that and also up into this top bay. So the area that I've chosen, you can't get a vehicle anywhere near it. So I'm gonna get the power barrow out, truck a load of gear around there and get into situ. I really am quite excited because the fish are short range. They're like 20, 30 meters out from the bank. They're fizzing, they're bubbling, they're sloshing. It's all dried up now, but they were definitely here this morning in pretty decent numbers. So the plan of attack is keep disturbance to a minimum, try not to go mental on the boat and just get settled in and hope those fish are still here for sort of a potential evening feed up. First job, coffee. Bon, la nuit a été plus que calme, malgré que les conditions sont plutôt bonnes, puisqu'on a eu un gros vent, pas mal de pluie. Du coup, vraiment, je pensais vraiment que ça allait dérouler. Et compte tenu du fait que ça pêchait plutôt pas mal, enfin en tout cas au niveau des variations de fond, vraiment les cannes sont vraiment bien placées. Du coup, je pense qu'il y a, et je l'ai vu aux premières lueurs ce matin, il y a très peu d'activité, un seul saut ce matin. Identifié, ce que j'ai fait donc du coup, c'est que j'en ai profité pour aller regarder un petit peu le lac. Je me suis mis sur le point le plus haut, à quelques centaines de mètres d'ici, pour pouvoir avoir une vue de l'ensemble du lac. J'ai vu quelques sauts sur l'autre partie, du coup, c'est ce que je vais essayer. Donc on va tout plier. Et puis je vais tenter ma chance sur un autre poste en espérant que les poissons y soient plus réceptifs. Alan nous a rejoint hier soir, on a passé vraiment un bon moment. Bon, maintenant il est temps de parler de pêche. Jocelyn, ses cannes n'ont rien produit cette nuit. En dehors du poisson qu'il a fait sur ce poste, il n'y a vraiment très peu d'activité. Jocelyn, je le connais, il a l'habitude de bouger et là il a envie de changer de poste.
il tente sa chance sur un autre poste complètement à l'opposé de là où on est. Il a repéré quelques spots intéressants où il pourrait placer quelques lignes. Il y a d'autres pêcheurs sur la gravillère, il va falloir composer avec tous ces éléments-là. La pression de pêche, je pense qu'elle est vraiment importante et elle joue beaucoup sur l'activité des poissons. Today we have a French attempt at a full English breakfast. The French element is the bread. Best bread in the world. Yeah. Beans, sausages, eggs, bacon. Jocelyn s'installe juste en face d'Alan. Bon, du coup, on en profite pour aller manger ensemble. C'est toujours agréable de passer un moment et en plus, Alan qui cuisine, c'est vraiment un régal. Ils en profitent pour échanger les informations qu'ils ont trouvées. Alan a un petit peu repéré, lui, de son côté. Jocelyn avait déjà fait du repérage la veille. Du coup, ils échangent les informations, toujours dans l'espoir d'être le plus optimisé possible et de placer les cannes avec précision. That was a really good mission. Been out in the water for the last sort of couple of hours, proper exploring. The hard work was really done this morning, getting up at first light, finding them showing up here, fizzing, bubbling. I feel I've kept disturbance to pretty much a minimum. Yes, I've been out in the boat, but a lot of the times I've been sculling, not using the engine, sending those vibrations through the water. Echo sounder on, I've kind of zigzagged across this whole margin. I haven't gone too far out, purely because there is a gentleman fishing on the opposite bank and Jocelyn's just over from us now as well. So yeah, focused all my attention on this near margin where I've been seeing the shows. Kind of mapped everything out with the echo sounder, the prodding stick and the underwater camera and found lots of different depths, ledges, sort of plateaus. There's a huge shallow area up to my left here. It really is quite varying out there and I'm looking for sort of intersection points, areas where ledges might run along and the fish potentially will use that as a patrol route or a bit of a motorway. Anyway, the spots are all H-blocked. The camera's been down, varying depths of silt. Some of the areas I found up to sort of a foot and a half of silt and some areas just a light sort of scattering on top. That deeper silt, there is lots of bloodworm in it. You can see those on the camera. There's a really nice spot down to my right where I found a bit more of a firm area with some bigger stones and some sort of smashed up mussel shells. Yeah, it's just really, really interesting out there. I'm gonna set the bushwhacker up. That is very optimistic, I know, but I'm gonna record the sections shipping out to the H blocks just in case I'm lucky enough to get a second bite. But really, I've lost the light. I need to knock up a bucket of bait, prepare some rods and some fresh rigs and get them out for the night and just hope that they sort of behave exactly as they did yesterday morning when they definitely were working their way along this margin. And then I'm gonna have a nice barbecue. Thank you.
Début de cette quatrième journée de pêche pour Jocelyn et Alan. Bon, visiblement, l'activité des poissons sur cette gravillère est vraiment très faible. La nuit a été très calme. Jocelyn, hier, a placé ses cannes sur un nouveau spot. On s'est déplacé complètement à l'opposé du lac, juste en face de nous. Alan s'est aussi installé. Ils ont placé leurs cannes avec précision dans l'espoir de déclencher des touches cette nuit. Bon, il ne s'est rien passé, mais rien n'est joué encore. Je vais aller voir Jocelyn, on va aller prendre un café, se poser, voir un petit peu quelle est sa stratégie. J'irai faire un tour en face, voir ce que Alan prévoit aussi. Je sais qu'il a quelques petites idées de stratégie pour déposer ses cannes très précisément, en toute discrétion. On va voir ça un peu plus tard. En attendant, on va prendre un café. À plus tard. Bon Jocelyn, t'as relevé le défi, t'as pris un poisson, ouais. Au tout début. Et le défi c'était, attrape-moi une carpe si tu peux. C'était le défi. Bon, j'aurais bien aimé vraiment un steak, je sais. C'est pour tout ça, fait pour. C'est pour ça que je vais te donner une seconde chance. D'accord. Tu m'as parlé que tu avais peut-être un plan B. Je te connais, je sais que tu réfléchis toujours, t'anticipes toujours un petit peu les différentes situations. Voilà. J'avais baissé au moins. Et je vais t'autoriser à jouer la carte de changer de lac. Ok. Parce qu'on a déjà changé de poste, t'as essayé autre chose. Ouais. Bon, ça reste assez compliqué, les poissons sont pas trop actifs. Et on veut quand même que tu prennes du poisson. C'est sympa. Ça reste merci quand de penser même... à moi. Bah ouais, non, mais quand merci même. De penser à moi. Ça reste, voilà. Donc, j'entends, je suis en train de préparer des montages pour rien là. Dis-moi donc, du coup. Tu as cette carte là. Est-ce que t'as un plan B? B et C. T'as peut-être qu'une chance, hein. Ok. Donc, faut bien choisir. Il faut bien choisir. Mais ouais, c'est une eau que je connais pas. Mais ouais, ça peut être intéressant. À voir, faut tester. Par contre, c'est une pêche de jour. Ok. Donc on a moins de temps de pêche. C'est ça, c'est ça qui me freine un peu en fait. C'est que. Bah, la fin de pêche, c'est 18h30. Vu ce que tu me dis là, changer de plan d'eau. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'autres plans d'eau avec de la pêche de nuit dans c'est le coin. Ouais. En tout cas, moi, je les connais pas. Ouais. Et j'ai pas eu d'infos et la seule option que je vois ça serait sur une pêche de jour. Okay. Et là on est déjà presque midi. Ça serait donc il y a un peu de route, ouais. Il faut plier, il faut se rendre sur place. Mais c'est jouable. C'est jouable okay. Pour peut-être pour le coup du soir, ouais. Mais en tout cas pour faire une belle pêche dès demain. Un coup du matin. Ouais, un bon coup du matin okay. Et une bonne journée de pêche demain. Et parce qu'en fait, voilà, en gros, je peux pêcher jusqu'à 6h30 par rapport à après, il fait nuit. Au coucher du soleil. Ok. Donc voilà, t'as ça à réfléchir. Ok, moi, ok. Je vais aller voir Alan, je vais voir un petit peu comment ça s'est passé pour lui. Donc je suis obligé de changer de lac ou je peux rester t'as ici? T'as le choix. Tu vois, si ça se trouve, il y a une touche, les cannes pêchent encore. Donc si ça se trouve, il y a les touches, l'action va arriver et puis ben... D'accord. Donc je peux rester ou je peux déménager. Ouais, c'est il faut ça. Que je me décide. T'as le choix. Donc toi, c'est le plus dur. Ouais, rester ou bouger, c'est souvent le problème, ouais. Après, je te cache pas que j'attendais beaucoup de cette nuit. Ouais. Je pense qu'il y a encore, j'ai encore d'autres options, en fait. Ici, j'ai pas tout exploité, okay. En fait. Ce serait d'accord. Très arrogant et illusoire de croire que j'ai tout adressé ici. Il y a d'autres choses à faire. Ouais. J'ai d'autres combinaisons à faire, d'autres fonds à... J'ai vu qu'il y avait d'autres poches de vase, je pourrais pêcher d'autres poches de vase. Mais par contre, mes cannes étaient quand même super bien placées. Comme ça n'a pas déroulé, ça m'encourage quand même à déménager, d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'activité ce matin aux premières lumières du jour. Alan a fait capot, l'autre pêcheur a fait capot. Pareil, ouais. Donc écoute, je vais prendre 5 minutes pour y réfléchir quand même. Ouais. Prépare des montages. Ouais, ça me permet servir. De bah, j'en avais préparé un, tu vois, j'étais en train de faire le deuxième. Ok. Bon Thierry, sympa toutes tes idées là. Allez, je finis ce montage et puis je me décide avec un petit café, je crois. Bon courage. Merci.
So Alan, what about this night? Very quiet. Okay. Very quiet. Me too. Yeah. See many fish show yesterday morning. They didn't turn up here again this morning. Seen a small number of shows. Okay. So what is your feeling now? My feeling is I haven't caught a carp if I can yet. So I will stay another night. You did one night there and two nights around in that bay and one night in this bay. I've only really been here for the one night, so I'll give it one more night, I think. Okay. It's only fair. And you will leave. Yeah, you will leave me. Yeah, I will leave you. Sorry, I thought mate. The rule was we stay and... Yeah, but Thierry asked me to... gave me the possibility to change. Okay. So and I for think... me, do I have this possibility or not till I catch a carp? When you catch one, yeah. It's what I understand, Thierry, yeah? So, okay. I will have a try and we'll let you know. Okay. At least I get a bit of lake back now that you leave instead of the lines going into this corner and this bit of freedom for Alan. Alan, good see you luck. Later. Yeah, thank good you. Luck. Keep in touch, message me. Yes, of course. I hope you find another good destination. It's what I will do. There is a chance I will be following you very quickly in the morning. I really expect it. Bye-bye. Au revoir, au revoir. Jocelyn, bravo. Tu as remporté ce défi sur cette première gravillère. Du coup, je t'ai donné la possibilité de tenter ta chance sur une nouvelle destination. Toujours type d'eau gravillère. Donc, un nouveau défi pour toi. Quant à toi, Alan, ton défi n'est toujours pas remporté. Et je sais que tu ne vas rien lâcher et que tu ne partiras pas sans avoir attrapé une carpe sur cette destination-là. Parce que je sais que tu aimes les challenges, les défis, et que tu vas tout faire pour remporter ce défi sur cette gravillère. Bon bah c'est parti, on y va, on va partir donc en recherche d'une autre gravière. Il est 14h donc on n'a pas tant de temps que ça, la nuit arrive très vite donc je pense que j'aurai juste le coup du soir de possible ce soir. On va essayer d'être dans une approche ultra light ce soir et puis de bien préparer les choses pour demain. On a une petite heure de route donc c'est parti. Cette nouvelle destination que Jocelyn a choisie, elle est encore différente de la première. Parce que là, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de pêche de nuit. C'est uniquement de la pêche de jour, et il n'y a pas de bateau. Les journées sont courtes, il lui reste quelques heures pour le coup du soir. Je sais que Jocelyn va tout mettre en œuvre pour pêcher correctement avant la tombée de la nuit. Et il relèvera les cannes en fin de journée pour tout préparer le lendemain. Du coup, Jocelyn utilise son bateau amorceur pour sonder et déposer des cannes avec précision. Il a repéré quelques spots intéressants. C'est une autre logistique, un autre défi. Bon courage, Jocelyn. Voilà installé. Ce que j'ai fait en arrivant, c'est que j'ai fait le tour du plan d'eau. Donc c'est un petit plan d'eau. Hein. Très profond en revanche, parce que du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le bateau amorceur. On n'a pas le droit au bateau ici. J'ai pu sonder et ce que je me suis aperçu c'est que vraiment les fonds sont très cassés, ça descend très très vite, dans 7-8 mètres d'eau. Et j'ai même vu des profondeurs jusqu'à 10 mètres. Donc ce que j'ai fait là, parce qu'il nous restait vraiment peu de temps, là il nous reste quoi, tout juste 20 minutes à peu près de pêche. Donc j'ai positionné seulement deux cannes. Une avec une culturelle en bonhomme de neige, une culturelle avec une pop-up blanche, avec un mélange de flakes et de petites graines de maïs doux. Quelque chose d'assez attractif, pas beaucoup de quantité, vraiment pour un poisson avant la tombée de la nuit. Et puis une deuxième canne que j'ai positionnée donc en bordure. Alors quand je dis la bordure, c'est vrai qu'il est, je pense que j'ai positionné la canne à peu près à 40 mètres du bord. Mais à 40 mètres du bord, derrière les herbiers, il y a déjà 7 mètres d'eau. Donc c'est là où est ma deuxième canne. Et puis voilà, je prépare un petit peu les affaires pour demain matin. On va laisser pêcher les cannes, j'espère qu'on va pouvoir faire un poisson avant la nuit. Et si on n'y arrive pas, c'est dès demain matin qu'il faudra relancer la pêche et faire en sorte de trouver les bons spots.
it feels like update, update, update with very little to show you, and that is because very little has happened. Jocelyn left me about 6-7 hours ago, kind of stranded here now in the south of France all on my own. Yeah, there's not been a lot of activity. I had a small string of beeps on one of the rods, but beep, beep, boop, boop, so definite liners. A little bit of fizzing over one rod, got me kind of excited, run a bike camera, but it hasn't materialized into anything. Yeah, I'm going into the night with the tactic of sitting put, not changing anything. The rods haven't even quite been out for 24 hours yet, so sometimes in carp fishing, sitting on your hands is the order of the day, and that's kind of how it feels at the moment. We're getting deep into autumn now. It was very cold last night. The water temperatures will be going the wrong way, and yeah, I've just got to rely and trust in what I've done and ride it out. If it hasn't worked out by the morning, then I probably will do one, you know. The game was gravel pit. I'm sure I can find another one of those. So yeah, I probably will move if it doesn't work out tonight. But I am staying optimistic. You never know. C'est une ancienne route ou quoi, tu vois, elle est dans 3 mètres, hein. Et alors que là, il y a 9 mètres d'eau. Hein. Donc le mur, il remonte de 6 mètres. Still here. Lolo, in his silly game with spin a wheel, you can call a friend, so I'm calling my very greatest French friend. Fuck Jocelyn, it's you. And basically, where should I go? Should I stay here? When I arrive on the first morning, they were jumping, they were very, very, very happy. And then I move, so I arrive late in the night, don't fish, watch the water all night, find where they are jumping, move there. And then yesterday morning, they only jumped 4 times, 4 shows. I think one of the shows, 3 times, was the same fish. So really inactive. And last night, inactive. This morning, inactive. Maybe if you pass, come and have a quick coffee. All right, bruv. All right, I'll see you in a little while. Love, bro. Bye, mate. Bye, 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 bye. He just said it's really difficult, it's heavily pressured. Whatever you do, don't fish next to the trees. Because really? Everybody does. That was his only solid bit of advice. Do not fish near the trees. Don't fish near the trees. Which makes a lot of sense. Yeah. A lot of sense. Called it. I'm staying put. Grabbing some balls. I'm gonna ride it out and try and get a big one from this mega gravel pit that at the moment is beating me up. I've been back out in the boat. I've seen fish in 2 different areas on the Echo Sounder. The wind has massively picked up. That's another sort of deciding factor in this. I want to give it one night on this big wind just to see if it makes a difference. And Lolo's been down, and I wouldn't say fill me with confidence. He was like, it's tricky, bro. It's real tricky. And he actually advises that we go to a totally different gravel pit elsewhere, but it's about an hour and 45 minutes away. It's Friday. There will be other people arriving now. So after weighing up all those different things in my head, I'm staying put for at least one more night. I'm gonna redo all the rods, fresh rigs, new spots, minimal disturbance. Come on, the big wins and the carp. We'll be right back.
c'est des herbiers ou je sais pas quoi. Hein. Ah mais c'est de l'herbe en fait. C'est qu'il y a tellement d'herbe. Le coup du soir hier a été très calme, tout comme d'ailleurs cette matinée, malgré les cannes qui étaient positionnées à l'aide du bateau amorceur, vraiment sur quatre spots complètement différents. Et puis à midi, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une première frappe sur une canne, une deuxième s'est emballée, regardez-moi ce bijou, ce poisson tout en longueur, il est extrêmement long, magnifique commune qui me fait le cadeau, un magnifique cadeau qui me permet de remporter ce contrat sur cette deuxième eau. Attrapons une carpe si tu peux, ben voilà. En voilà une, elle est magnifique. Une commune taillée pour le combat. Regardez-moi cette longueur de poisson, incroyable. Avec une superbe robe orangée. Superbe. Nouveau défi remporté pour Jocelyn sur cette deuxième destination. Quand je lui ai proposé de changer de destination, il a hésité longtemps parce que changer de destination égale nouveau défi. Si le défi n'était pas remporté, ça aurait été dommage. Là, il a remporté le défi et avec vraiment deux jolis poissons. J'espère que Alan, lui de son côté, va remporter son défi parce que je sais qu'il ne lâche rien et il mérite vraiment de capturer sa première carpe pour remporter ce défi. Alright, bro, for you? Yeah, fine. And you? Yeah. What about you? Did you get some action? No fish, yeah. No action, yeah. No. Quiet. You? Yes. I got two fish. Okay. Yeah. And a small one of roughly, I would say, 7-8 kilo, and the other one 20. Ah, oh, well done, Jocelyn. Thank you very much. I'm happy. Tired and happy. Good work, mate. Good work. I think we must leave. Yeah? Yeah. I will sit it out for one more night. It's too late to move now. I redid all my rods through the day. And yeah, I will see, mate, and then call you in the morning. Yeah. Tomorrow morning, you call and we see. Yeah, okay, bro. Okay, mate. All right, good luck. Speak to you later. Yeah, good luck too. Au revoir, bro. Bye, mate. Big love, bye, 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 bye. I've got fish. Do anything for it not to be. Tricky session, but when your heart and gut and everything's telling you stay put, just give it a little bit of time, a little bit of time. Yeah, no monster. An important one, significant one. Caught a carp, Jocelyn. Caught a carp. So I'm very, very happy.
now. He's no monster, but honestly, it's made me really happy. It just proves what I was doing does work. The boys said to me, Jocelyn, Thierry, Lolo, don't use boilies, don't use boilies. Well, I persevered with the boilies, yeah. Little 12 mil wafter rig, slipped a, fished over the silt as well, not even on the real hard bottom. And yeah, two bites, sadly lost one, but this one is the perfect consolation prize. It's been great here, it's been difficult. Just met a couple more French carpies and they said the same, très difficile, but there's some mega prizes in there. Maybe one for the future. For now, I've got a couple of hours driving. Let's go find Jocelyn. Alan, how are you, mate? I'm good. Yeah? Really good. I'm a lot happier now I've found you again. We've been brought back together. Well, nah. Congratulations, mate. Yeah. You caught a car. Yep. You did it. You got the challenge. Yep. But how did you do it? Because, you know, it's a difficult water. Yeah. Many anglers from all the Europe come in this water and expect to catch a carp. So. What did you do? How did I do it? I found them. As you know, I didn't fish the first night. We drink a drink together. And then I do a lot of listening and a lot of looking in darkness. And then in the morning, I go round and round. Even though it's still quite a big gravel pit, I spent the time looking and looking and looking. And I find fish jumping and bubbling and fizzing. This was the first big job. The next big job, because it is a gravel pit, as you know, Jocelyn, the gravel pit is not flat like this, the gravel pit is so much variation. Crazy. Yeah. And this gravel pit was really, he has the big forest, it has the big deep margins. So then I spend many hours with the echo sounder, with the camera, with the prodding stick, with the H-blocks, and I start to draw, you know, an understanding of everything. And then I create a plan. I know you managed to catch one from this lake also, but in a way, I'm very sad that you left and we didn't get to spend time together. It's but. Well done, congratulations, thank you. We both caught a carp. Exactly. We both caught a carp and that's it, that's it. Thank you, thank you, mate. Night, see you tomorrow, bye-bye. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Attrape-moi une carpe si tu peux. On est ici, dans le nord-est de la France, plus précisément dans la région du Grand Est. Dans l'épisode précédent, j'avais challengé Jocelyn et Alan. Et Alan m'a confié qu'il avait adoré le concept. Il m'a dit « J'ai 48 heures en France, là, début mai. Si tu veux, moi, je suis partant. »